Et bonjour à tous, ici Silver, et bienvenue pour cette dernière partie. Pardon. Donc nous voilà pour la dernière, la dernière partie. Donc je me suis permis de revenir un petit peu sur l'écran titre, ça va être bordel le montage parce que c'est pas le même cadre. Bon, c'est pas grave. Bon, donc on arrive enfin à terme de ce Super Mario, qui aurait été mon let's play le plus long, puisqu'on a atteint la 37ème partie, quand même. Donc normalement, si j'ai bien vu, il n'y a que un boss derrière. Donc on devrait, à moins, enfin pour les crédits, mais on devrait pas non plus traîner très très longtemps. Donc, j'adore cette musique, c'est pas possible. Putain, ce thème de Bowser, mais il est magnifique, mais sérieusement, c'est... Bon, alors, donc c'est bien le boss final qu'on va avoir là. Donc, je me suis un petit peu renseigné. Donc, il semblerait qu'il ait 99 points de vie. Ce qui fait que bah, ça va être la merde. Mais en ayant les bons badges, on peut s'en sortir. Alors, je vais faire un petit look sur mes badges, parce qu'il y en a certains qui vont peut-être plus du tout me servir. Donc on va essayer de les virer, quoi. Alors, qu'est-ce qui va pas me servir? Si ça va me servir. Ça va me servir. Ça va me servir. La toupie rapide. Ouais, je pense pas que ça me serve, ça. 007. Ouais, non, c'est... Quand Mario est un ange, il peut rusher leur attaque. Et subit la moitié des dégâts. Ah, c'est cool ça. Ah, c'est très cool. Je sais pas. Oui, j'aurais peut-être dû prévoir un peu à l'avance, mais voilà quoi. Donc. Je vais prendre. J'hésite entre adrénaline et la dernière chance. Elle subit la moitié de ses dégâts. Et là, la puissance augmente de 2. Mais le problème, c'est que c'est à partir de quand? C'est-à-dire à partir du moment où il nous reste 10 points de vie, après je sais que je comprends pas. Donc dernière chance, ouais, à la rigueur, je pense que je prendrais plus dernière chance. De toute façon, j'aurais suffisamment de trucs craqués pour lui exploser sa tronche. Surtout qu'en plus, je prends Goombario, alors c'est pas... Bon, rallye des familles. Bienvenue dans ton pire cauchemar. Je veux tellement faire une voix nulle, en fait, que je m'en bousille la voix. Oh mon dieu, un interrupteur! Tu devrais me remercier, Mario. Tu m'ennuies depuis si longtemps que je nous ai préparé une belle ère de combat. Waouh! Le pont qui se casse! Oh là 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 là! C'est trop technologique! Non, t'arrêtes mieux, quoi. C'est naze! Musique. Je sais pas si ce sera la même musique pour le boss, mais je pense que ça sera une vraie musique pour la fin. Tu aimes, tu es coincé maintenant, tremble mortel. Mario, sois prudent! Blow near here, here. Yeah! J'ai rien compris, mais. Tu es tombé dans mon piège. Enfin, on va faire une voix d'allemand pour la lire. Tu es tombé dans mon piège! Et tu oses prétendre être un héros? Oui, parce que je trouve que ça lui va. Pas du tout. Voilà. Ça fait un peu docteur fou, ça m'en fout. Tu croyais vraiment que nous allons te laisser sauver les esprits étoiles sans réagir? Je t'ai préparé une petite surprise. Un appareil qui augmente la puissance de Bowser. Merde, un robot géant, une machine de guerre, une armée de pingouins, je sais pas, mais... Mais laissez ce pauvre Bowser tranquille, merde. T'as pas l'impression que le mec il a besoin d'avoir des stéroïdes pour absolument être fort. Mais merde! C'est nul quoi! Le roi Bowser sera si fort que même la puissance des esprits étoiles. Bon, je suis parti dans le Gandalf, j'étais dans le allemand. Dans le allemand. Dans le allemand. Syntaxe française, va te faire foutre. La puissance des. Il sera totalement invulnérable et grâce à moi. Vous êtes prêts à mon roi? Boostez-vous. Ah oui, boostez-moi. Non mais...
Ouais, d'accord, la plateforme. Waouh, c'est trop technologique. Non mais là, waouh. Ah d'accord, ah c'est ça la machine. D'accord, en fait, donc ça tourne. Alors, qu'on se le dise. La machine que nous venons d'avoir lui a permis de grandir et d'avoir des petites papillettes qui tournent autour de lui. Mais à part ça, y a rien qui change. Je sais pas, t'aurais pu lui faire un nouveau costume. Hein, Non, mais là, c'est nul. Ma puissance a littéralement explosé. J'ai tellement explosé la face, tu vois. Je peux enfin aplatir ce plombier boutonneux. Et toi, Mario, ça se passera pas comme avant. Tu vas souffrir. Bon, il semblerait que ce soit notre musique de boss. 99! Bah ouais! Bah ouais! Je suis d'accord. Bon, on va déjà commencer par le plus intéressant, c'est-à-dire. Oui, j'ai déjà la vie, mais bon. Ça ne serait pas Bowser le bouseux? Le mec, il est clair, tu sais. Ouais, c'est le bouseux, là. Il a pas mal. Forci? Forci? Je ne connaissais pas ce mot. PC Max, défense de. Oh le bordel! Il a un paquet d'attaques de crachat de. Quoi? Cracher des nuages? De feu? Ah, d'accord. Attaque de feu 8. Putain, d'accord. Je suis certain qu'il a d'autres attaques en stock. Le mystérieux appareil de Kamikoupa accroît sa puissance. Tu dois utiliser le rayon étoile si tu utilises la baguette étoile pour accroître sa puissance. Oh, si tu le savais déjà. Merci. Bon. Bah, moi, je suis bien renseigné. Bon, alors, hier, c'était l'un des conseils qui disait utiliser ce badge-là. Donc, on va voir 6. Voilà, bah, ça fait toujours aussi mal. Donc c'est parfait. C'est parfait des familles. Ouf! Ça fait mal quand même. Et encore j'ai le joli. Hein. Donc Alors j'avais conseillé aussi d'avoir deux ultra champis. Je sais pas si j'en ai deux. Ouais mais j'ai des champis via Gogo. Bon, j'en ai deux et quoi. Ouais j'ai ce qu'il faut je pense. Alors, bon, à partir de là. À partir de là, il est temps de faire Picabou! Ouais, mais attends, si je lui fous des 8, tout va. Bah, après, ça dépend si c'est ce heal ou pas. Mais... je vais vite le torcher. Quoi. Bon. On va utiliser la technique qui marche bien. Hein. C'est-à-dire 4 boosts et. Guhuhuhu. Il est temps d'augmenter la puissance à l'aide de la baguette étoile. Ah, encore un tour qui sert à rien. Ouh, ça fait des toupies. Enfin, au moins, il attaque pas. TG. La toupie du suivi. Et là, ça marche pas. Non, ah, si. Des petites paillettes. Cette attaque Farfebra ne fonctionne plus sur moi. On est mal, Marie le Rhin. Étoile ne marche plus. D'accord. Ah non, maman Mario! Mon bon Mario! My boy! que faire? Vu comme ça se passe, Bowser va sortir en vague. Et là, tu vas me dire que t'as le super pouvoir de la mort qui tue. Non, c'est Zelda qui a des pouvoirs de la mort qui tue, qui peut balancer du pouvoir psychique. Toi, tu n'as rien. Allez, va sûrement le vaincre. Au secours, je vous en prie, aidez Mario. Tu peux la fermer. Un jour, silence. Pouh, allez, étincelle, bim! Ma princesse Peach, ça va, elle arrive à la rescousse. Et il a rapporté tous ses copains, moi. Tincelle! Je suis si content que tu ailles bien. Espèce de petit insolent, comment oses-tu? Genre! Imbécile, tu es trop jeune pour te combattre contre moi. Je n'ai pas peur de toi. Oh, sois prudent, Tincelle. Attends, je vais pas me battre avec Tincelle. Genre! Je vais me battre avec Tincelle! C'est tellement cool! Ah, d'accord. Ah, ouais, c'est un peu gâchis, quoi. Je sens aussi comme une brise. C'était ça ton attaque? Allez, Tincelle, fais-nous rêver. Méditation. Ouais, Tincelle. T'en se bat avec Peach? Merde! Par contre, on n'a pas de vie. Un bloc. Oh mon dieu, j'ai peur! Aïe!
Ah bah t'es, un point de vie. Ah ouch, espèce de petit. Alors comme ça, tu peux te battre. Ouais, bon, toi, tu sers à rien, quoi. Tu lui augmentes sa puissance, tu le boostes à mort et... Ah oui, ça fait des... Ah, ça fait des petits papillons. Papillons. Ah, mais c'est un thème. Oh, merde. J'ai pas réussi à... Ah ouais, d'accord, c'est de plus en plus mal, quoi. Qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi devient-il de plus en plus fort? Ce serait cool d'avoir la princesse avec le combat dans Mario. Non mais honnêtement, un Paper Mario avec 3 persos jouables, ça serait vraiment cool, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours 2, même dans... Enfin, après, c'est différent dans Super Paper Mario. Par contre, on n'a pas point de vie, donc c'est un peu compliqué. Ouf. Oui, il prend de moins en moins de dégâts, en plus. En fait, le combat est un peu bidon, parce que t'appuies sur A tout le temps, et voilà, ça marche tout seul. Ça fait encore plus d'étincelles. Oh là là. Oh là là. Ah mais le mec, il varie même pas ses attaques, t'es. Et là, aucun dégât, c'est ça? Nope. Ça n'est plus possible, mes attaques ne fonctionnent plus. Oh non. Ouais, en fait, tu vois plus sur A. C'est le combat bidon par excellence. Hein. Non seulement les étoiles tirent leur force des vœux des gens ordinaires. Leur seule, la princesse vous donne cette puissance incroyable. Espace! Non, c'est. Ça aurait pu être marrant, ouais. Oh, des petites étoiles! Roi Bowser, je vous ai failli. Je vous ai failli. Cette expression de bof. Oh, le bug graphique! Magnifique. Oh oui, une scénario étincelle. Tu vas Mario maintenant. Mais que faire? Je sais, Princesse Peach, faites un souhait. Comme vous l'avez fait pour moi, et donnez plus de pouvoir aux esprits étoiles. Pensez au Rhum Champignon, au Havre Étoile, à Mario. Faites un vœu pour que ce rêve se réalise. Si votre cœur est assez pur, il donnera sa force aux esprits étoiles. Pardon. C'est... Oh, changement de musique. Ok, étincelle, je vais essayer. Et n'empêche, attends, ça veut dire que si jamais on se foire dans le boss, on va devoir se retaper toute cette étape? Oh le bordel! Je vais aider Mario. Faites qu'il soit tenu devant moi! Qu'il me montre ses parties! Non, c'est... Là, on va un peu loin quand même. Qu'y a-t-il, Mario? Tu es fatigué? Tu devrais t'entraîner un peu plus. Tupi! Bonjour. Oh, incroyable! La puce. Incroyable! La puissance afflue en moi. Noble esprit étoile, je ferai mon possible pour vous aider. Tincelle, quelle surprise! La princesse Peach et tout le royaume champignon nous prêtent leur force. Nous pouvons enfin rivaliser avec la puissance de Bowser. Mario, n'abandonne pas. Tout le monde est avec toi, reçois notre force et gagne pour nous. Utilise le rayon étoile. Vous avez gagné le rayon étoile de la mort qui tue, qui one-shot votre ennemi en 3 coups. Non. Les ennemis plus puissants. Ils se transforment en rayon. Elle nous fera chier jusqu'au bout, hein. C'est pas possible. Il peut servir de rayon Peach. Pourra pas servir de Peach en MMT. Bowser, tu vois Peach? Va aller chercher. Et après, tu passes par derrière et... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, par contre, il a pas récupéré sa vie, hein. On est d'accord. Tu es toujours debout, tu me fais bien d'abandonner, tu ne m'attends jamais. Ça va. Donc à partir de là, le rayon Peach. Contre les effets de la baguette étoile de Bowser. Et là, tu lui balances Peach à la gueule, ça pourrait être marrant. Ah, il y a Tincelle en plus, d'accord. Ah ouais, alors. Non, mais Tincelle, mais t'es l'étoile du siècle, là, t'es. Non. Le pouvoir de la baguette étoile s'est estompé. Ah, par contre, mon boost il s'est perdu. Ah, c'est con ça. Ta-ta-da-ta. Aïe. C'est très souffrant cela. Alors, à partir de là. De Lola. Ah, oui, ça m'a rendu mes PF au moins, ça c'est cool. Et mes PC. Bon, je vais t'en faire 4-5 et puis. Explosion Bowser. Pété.
Si ça c'est le joli, oh, j'ai. Ah, ça fait. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On s'est déjà quand même enlevé presque un tiers de sa ville. Allez, troisième boost, et puis après. Explosion nucléaire partout, caca. Mais genre, ils me veulent mon marteau. Je peux pas utiliser mon marteau. Je m'en fiche, je te saute dessus, espèce de petit con. Sproch. J'ai 59. Je sais pas s'il a une deuxième phase, mais. Allez, dernier boost, et puis après. Oui, mes bruitages sont dignes d'un film de Michael Bay, mais. Oh non, tu vas pas recommencer. De toute façon, je te fous le rayon étoile, puis après je te balance du Goombario à la gueule. Et tu verras que le Goombario, il déconne pas. Allez, TG. Allez. Merci, au revoir. Au revoir. Et alors maintenant, mon ami, je te présente Goombario. Goombario? Bowser. Il a tellement pris cher! Le combat n'est pas encore terminé. Il ne reste plus que 29 points de vie, sérieusement. Allez, il se passe quoi encore? Ouh, d'accord. Ah ouais, super. Évidemment, ça, on pouvait pas s'y attendre. Mais je m'en branle. Je m'en branle royalement. Voilà, c'est. Je te foutrais. Bah, en trois coups, je t'ai tué. Peut-être c'est Goombario de retour. Aïe, ça, c'est pas bon, ça. Par contre, ça, c'est pas du tout bon, ouais. Donc là, on va utiliser le moment objet. Ah, donc voilà, retourne le morteau. Est-ce que j'ai des objets d'attaque? Ouais, j'ai des objets d'attaque. Donc je vais faire un double objet. Je vais utiliser un champi. Un ultra champi, pardon. J'ai pas de truc pour soigner mon poison, mais c'est pas grave. Et puis je vais utiliser une étoile filante. Comme ça, je perds pas mon tour. Bon, ça va faire 5 de dégâts, 6. Allez, au prochain tour, je récupère Goombario. Mais genre, mais tu te heal, mais d'où tu te heal? Mais va te faire foutre. Bon, ça va pas marcher, je pense. Bon, alors on va faire. À mon avis, ça va jouer sur le boost de Goombario. Ouais. Voilà, maintenant j'ai récupéré Goombario. Mais tu vas pas recommencer avec ton bâton étoile là, con là. Allez, fais-moi pas chier. Je te rayon piche dans la gueule. Voilà. Donc toi, tu vas recommencer à... Si vous n'avez pas compris, bah c'est parce que vous êtes... Non mais... Mais t'arrêtes! Mec! Bah, je pense que je vais faire 5 boosts à coup de Mario. Hein. Ah mais après, il va falloir que j'utilise mes items, quoi. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Putain, non! Pourquoi tu me fais ça sur Goombario? Oh putain. Je sais pas quoi utiliser. Honnêtement, là j'ai aucune idée. Ouais, ça sera. Déligelé. Et avec ça,
Est-ce que ça va tout me rendre? Ouais, ça va tout me rendre. Et étoile filante. Voilà. Putain, par contre, si ce heal de 30 à chaque fois, c'est vrai que là, ça va être très très long. Non, mais arrête, là. Mais non, mais... Mais sérieux, mais... C'est une blague. Bon, alors là, j'ai pas trop le choix. Je vais tenter ces techniques-là, parce que je vois pas trop comment faire autrement. Ça va pas marcher, en plus, c'est ça, comme c'est un boss. Est-ce que ça marche? Ça va pas marcher, évidemment, putain. Putain, mais à quoi vous me servez, alors, l'esprit étoile, là, c'est... Là, vous me servez à rien. Mais allez, c'est parti pour le craquage de slip, là. Ouh. Le mec, il s'est rendu 90 points de vie, mais c'est irrattrapable, ça. C'est pas possible. En fait, il faudrait que je... Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il m'attaque jamais. Le problème, c'est que Goombario, il peut prendre quand même. Et ça interrompt tout boost, mais... Mais non, mais arrête de te healer, là. Mais non, mais... Putain, mais va te faire foutre, sérieusement. Allez. Bon, j'hésite à changer, parce que c'est vrai que Goombario... Il a beau faire énormément de dégâts, il se fait souvent avoir... Et à la rigueur, avec Parakari, je pense que je pourrais peut-être faire plus de dégâts, quoi. Ouais, je pense que je vais prendre Parakari, parce que là, avec Goombario, j'arrive pas. Je fais pas assez de... Enfin, si, je fais assez de dégâts, mais... Au bout de X tours, allez, va te faire foutre. Non, pas saut. Faudrait que je lui bloque sa possibilité de se soigner, mais je sais pas comment on fait. Oh putain, ça fait tellement mal. Voilà. Parce que Goombario est tellement utile, mais j'ai aucun moyen de le protéger si je fais son attaque. Alors que Parakari devrait pas prendre, logiquement. Allez, arrête avec ton attaque craquée. Là. Allez, s'il te plaît. Voilà, donc encore du temps perdu pour... Putain, plus systématiques, elles sont vraiment trop longues, sérieusement. Oh, putain de merde. Testons ça. Ouais, ça fait pas énormément de dégâts. Et ça prend vachement de PF. Putain, 10. Oh la merde. Est-ce qu'il me reste encore un... Ouais, non. C'est pas la peine d'utiliser un double objet. Non, te heal pas, bordel, arrête, non! Mais genre! Mais pourquoi ça touche? Pourquoi ça le touche? Il est en l'air! Putain, mais j'y comprends plus rien là! Ne te heal pas, ne te heal pas. Ouais, c'est bien.
Le prochain tour, je vais devoir sortir la délégion. Putain, mais non, mais faut que je me heal là. Oh. Ça va que ça me coûte que dalle parce que franchement. Ne te heal pas, c'est tout ce que je te demande. Ça va bien, attaque-moi. Au moins tu me. Non, de toute façon, il pourra pas attaquer. Là. Toi, t'as pas, ouais, à part piquer. Là. Allez. Plus de gelée. Je réfléchis. Est-ce que Bombinette ferait pas plus de dégâts? Je sais pas. Donc, pour l'instant, on va continuer pareil. Moi, j'ai préparé Carrie parce que je pensais qu'il éviterait la vague. Mais là, non. Bon, là, il a 23, il va se. Non. Ça va. C'est chaud. Il a plus que 15 points de vie. Et à tous les coups, il va se healer. S'il se heal pas au prochain tour, il est mort. S'il se heal au prochain tour, je suis mort. Allez, 11 points de vie, il va se. Non, il m'attaque! Il m'attaque, oh mon dieu! Oh mon dieu, mais je vais tellement te faire la misère! Oh mon dieu, mais t'es presque mort! Bon, bah, les amis, je crois que ça sera la dernière action de ce let's play. C'est-à-dire bourriner le bouton Q. Parce que Q, c'est mon bouton vers la gauche. Un Q, plein de Q! Finir sur un Q, c'est magnifique! Ah là là, j'ai toujours rêvé de finir sur des Q. Bon. Waouh! Tupi! L'échec social! Oh, oh non! Un petit pangolin! Non, non, il m'a encore vaincu, c'est impossible, je peux pas le vaincre! Putain, mais c'est bug! Bah, t'es voilà. Vous avez gagné! Un magnifique presse-papier! Vous avez récupéré la baguette étoile! Wow! Amazing! Alors là, je connais. Donc on va se faire une sauvegarde rapide. Alors la dernière que j'ai utilisée, c'est la 3, vraiment? Bon, je vais mettre au pif sur la 6. Sauvegarde rapide, voilà. Comme ça, au moins, si jamais les crédits plantent, je pourrais revenir à cet endroit-là. Oh, Mario! Et c'est le moment... C'est trop! C'est le moment, votre batterie est faible, c'est toi le faible. Comment ça vient de troller mon épisode? Oh mon dieu, c'est magnifique! Mario, j'étais sûr que tu me sauverais. En même temps, c'est un peu... il te fait un peu ça à chaque épisode, bordel de merde. Bon, c'est un Super Mario RPG, tu m'as bien servi, mais voilà. Merci Mario. Ah non, c'est pas sérieux. Ah non, d'accord, c'est le truc qui part en couille, d'accord. Tu serais peut-être temps de se barrer. Mais qu'est-ce que s'il se passe? Ça ne faisait pas partie du plan. Mais en même temps, tes vœux commencent à partir en couille, donc c'est sûr que maintenant... Okamikoupa, ça veut dire quoi, ça? Votre Majesté, le combat avec un Mario était si intense que l'appareil s'est augmenté... Votre puissance est en surchauffe. Il est foutu. Et sa puissance est en train de ressortir. Je suis désolé, mais votre château est dans cet endroit même sans son plan d'exploser. Nous n'avons d'autre choix que de fuir, Majesté. Et donc le château de Peach, il va cramer avec. Tu vraiment, nous avons un gros problème, fuyons. Ah. Un magnifique effet Paint. Ah. C'est bien connu parce qu'il vole en l'air, c'est... Ouais. Cet effet dramatique. J'aime bien comme c'est un tout petit truc qui donnait la forme. Et là, en fait, c'est tout le château qui explose. Oh
Oh, tu peux crever ce château de mes couilles parce qu'honnêtement, on m'a tellement fait chier. Et là, ça se casse la gueule. Non. Quand ça explose pas, ça fait pas des petites étincelles dans tous les sens. Et je. Est-ce que ça a planté? Ah non, je crois que ça avait. Je crois que ça avait planté. D'accord, donc le château a explosé et est disparu. Waouh, j'adore cet ascenseur. Wouhou! Et le château reste là jusqu'à la fin des temps. Je me dis bien s'il reste pas mes deux. Bon, alors les mecs, faudra peut-être penser à revenir sur le sol. Non. Merci de m'avoir ramené. Maintenant, on va pouvoir tuer des gens, c'est rigolo. Oh Mario, merci. Tu as réussi, tu as récupéré la baguette étoile. Merci du fond du cœur. Nous nous servirons pour ramener la paix dans le monde. Nous pouvons enfin exaucer. Ah, ils vont pas tous parler et raconter leur vie, quoi. Pour enfin exaucer les vœux à nouveau. Tout ceci grâce à toi, Mario. Oh non, mais. Oh. En regardant le ciel la nuit, tu verras briller en hommage à ton courage. Souviens-toi de notre gratitude éternelle. Tu as vraiment écrabouillé cet ignoble Bowser, quelle force. Je savais que tu y arriverais. Mario, nous savons tous à quel point tu t'es battu pour nous. Ça a dû être vraiment difficile, nous ne l'oublierons pas. J'espère que Bowser aura tenu la leçon et qu'il se tiendra tranquille dorénavant. Mais à cela, j'attendrai bien de lui. Ah bien. Bah n'empêche, il aura attendu quand même Super Paper Mario. Non, 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 Paper Mario Sticker Star avant de réitérer ces conneries. Hein. Parce que dans le 2, alors je sais pas, j'ai pas fait le 2, mais il me semble, enfin c'est pas l'ennemi principal quoi. Et dans le 3, bah il est carrément jouable donc. Je ne sais pas comment te remercier, Mario. Tu as donné espoir à Avril Toile et à tout le royaume champignon. Nous sommes éternellement redevables. Et si je peux m'exprimer ainsi, Tincelle, tu as été aléatoire dans nos espérances. Tu t'es montré très très courageux. Si, alors, allez! Bon, il est temps que nous rentrions à Avril Toile. Toutes les étoiles devront nous atteindre. Il est temps de nous dire au revoir, Mario. Puisse les étoiles t'apporter au bonheur éternel. Et donc, Tincelle va se faire abandonner là, comme vieille harpie. Bien le. Ah, oh, bien les visiteurs qui ne sont même pas en accord avec oui, bon. Coucou. Et là, Tincelle évolue. J'aimerais te remercier. Et vous aussi, princesse, c'est un honneur que de pouvoir vous aider. J'espère vous revoir un jour. C'est tellement triste, je vais pleurer. Non, mais. Je veux dire, une étoile respectée, et aussi les gens. Ta gueule. Allez, casse-toi parce que je commence à en avoir marre de t'avoir. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai fait, mais. Merci pour aider, Tincelle, tu es plus qu'un ami pour moi. Princesse Peach, le petit sourire est bien triste. Je vous aime. Non, c'est. Bah, je dois y aller moi aussi. Merci pour tout, Mario. Je me souviendrai toujours de vous, la princesse. Au revoir. Donc, de moi, il s'en souviendra pas, t'es. Le mec Mario. Ouais, bon, je me souviens de la princesse, mais alors toi, mais tu peux aller te faire foutre. Ce mignon. Deux, trois, quatre, cinq. C'est même pas dans l'ordre. Six et le septième, là. Et après, Tincelle qui arrive. Ici! Non, même pas. Ici! Non, voilà. J'ai un peu de. Coucou. Ouh là là, ça pue les crédits. Ça pue les crédits comme ça avec les nuages là qui arrivent là, ça. Ah, changement de musique peut-être. Ah non, il va. Oh, ça y est, c'est de cette manière que tu as récupéré la baguette étoile des griffes de Bowser. Une aventure complètement dingue. Tout est redevenu comme avant. Tu as surmonté toutes les épreuves imaginables. Je savais que tu es revenu depuis quelques jours, je parie que tu crois encore, pas vrai? Tiens, en fait, les hommes qui t'ont accompagné, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et oh non, on va pas faire le flashback. Bon, Goombario qui s'amusait avec sa sœur. Goombario! Ah, t'es. Eh, Paracari, quoi de neuf?
Je sais pas, le mec il hurle pour la... Je pensais que je devrais le courrier à nouveau. Ah, tu as raison, ce n'est pas une visite de courtoisie. Je t'ai apporté une lettre, comme par exemple de la princesse Peach. De la princesse Peach, ça me demande, je demande ce que m'a écrit. Et donc, je dois te lettre à livrer. Et il va livrer à tout le monde, quoi. Merci par écrit, à plus, bonne continuation. Et Goombario, que t'as écrit la princesse Peach? Laisse-moi voir. Goombaria. Goombaria. Le nom de merde. De la balle, elle nous invite à une fête au château. Wesh! Je suis invité! Wouh! Wouh! Bambinette? Qu'est-ce qu'elle fout là, Bambinette d'ailleurs? D'accord, bon là on est en train de revoir tous les persos quoi. What? Le B. J'ai jamais compris pourquoi elle avait une sucette. Hein. Et comment il est arrivé dans le coffre, putain? Pardon, excuse-moi, j'ai pété mon câble. La Killster. Ah, même Colorado coupe. Ah, mais d'accord, il a intégré la team de Colorado. Bien, il est temps d'escalader le montagne maintenant au palais de cristal. Cooper, mon vieux, tu vas nous guider. Ton expérience est vitale pour le bon déroulement de cette mission. Ouais, pas de problème, je connais comme la poche. Cooper. Oh, Paracari, qu'est-ce qui t'amène ici? Phew, je suis arrivé. J'ai une lettre de la princesse Peach. J'aime bien cette animation qu'ils ont fait pour la lettre. Wow. C'est une invitation pour une grande fête au château Pignon. Elle a été écrite par la princesse elle-même avec sa signature et tout, géant. Oh, je ne dois surtout pas la rater, mais je ne peux pas pardonner cette question après ma promesse au professeur Colorado. Je devrais rester ici et... Oh, fiston, ne sois pas stupide. Je serais impoli de la part de refuser une telle invitation. Pense à la fête et ne t'occupe pas de nous. La fête sera ruinée sans la héros de Village Koopa, nous, le héros de Tour en Champignon. Le sens de la répartie. Là, je savais que vous me direz ça, professeur Colorado. Vous êtes si gentil. Sniff. J'espère que vous me redévouerez bien sans moi. Je vais m'éclater. Ouais, je vais m'éclater. Je vais même éclater la tête des gens. Parce que c'est trop drôle, wesh. Ouais, Colorado, j'ai un message pour vous également. Ne reviens pas à la maison, espèce d'explorateur à la noix. Bon, à rien de Marie. C'était un message de votre épouse. Colorado, vous avez mis sur pied toute exposition sans en parler à votre femme, n'est-ce pas? Elle était vraiment furieuse. Oh oh. Peu à peu. Pas carré, pourquoi tu ne dis pas ça aussi? L'heure est grave de rentrer chez moi en vitesse. Et les mecs, ils sont paumés. Bon ben. Bon ben. Eh ben, on y va pas. Hein. Level 16? J'aime bien le petit truc qui indique mes stats là. Je crois que j'ai entendu quelque chose, je vais jeter un coup d'œil. On les a tous su là, les familiers. Il n'en manquait pas. Hein. Non, non, non. Une lettre. Mario. Et tu sais quoi, Paracaré est passé pour m'apporter une navigation de la princesse Peach. Il a dit qu'il allait également essayer de s'envoler dans les qui en se verra au château. Bon, on ferait bien d'y aller. T'es le front même pas une animation pour qu'il se lève, quoi, c'est... Ça fait non jusqu'au bout. Bien, écoute attentivement, Mario, je vais partir devant. J'ai quelque chose d'important à faire. Quoi donc? C'est top secret. Joyeux anniversaire! Ah c'est bon, je reprends le contrôle. Alors, je vais juste aller vérifier parce qu'il me semble il y a une histoire qu'il y avait quelque chose dans la maison que j'avais loupé, enfin... Non, il n'y a rien. Donc là je vois... Ah ouais, je vois mes stats. Ah ouais, d'accord. Bah, je trouvais un morceau d'étoile. Oh putain, d'accord. J'en ai loupé quand même un bon paquet de morceaux d'étoile. Recette de goûter. Oh, j'ai totalement oublié d'en faire ça. Total super rebond 8. Oh, bon, ça c'est des jolies stats. Hein. Et là il y a quoi? What? What? Pourquoi il y a les trucs de tout le monde?
Donc, ah, d'accord. Oh, c'est sympa, ça. Oh, ils ont tous envoyé une lettre. Oh, c'est cool. Je vais regarder quelques-uns. Comment tu oses nous entamer ça? Tant jamais le dos, tu vas le regretter. Tu peux bien dormir avec un œil ouvert, l'ami. Nous reviendrons. Oh là là, c'est joli. Petite vanité, Mustapha. Ah, oh, t'es Mustapha. Je suis changé. Bon, je fais. Je pousse un peu la durée de l'épisode, mais on se le permet. C'est le dernier épisode, de toute façon. Vous êtes pas à 20 minutes près, je pense. Sol le sage, c'est qui dit. Ah oui, d'accord. Charmant, tout va bien. La paix, enfin, revenir au champ de fleurs. Elle me guet. Oh là 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 là. Je peux pas bouger ici. Attends, je suis content que Bubu s'amuse. Oui, bon, après. Il y a une histoire de carnet de Luigi, mais bon, j'ai loupé quelque chose, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on va aller voir cette fête, on va voir l'ending. Landing. Landing, landing. Ouh. La famille à Goombario. Carl quiz, moi c'est quoi Carl quiz, tu aimerais t'en donner mon quiz? Non, je rigole, moi c'est un quiz. Ah d'accord, le mec troll. Oh de l'oeil. Welcome to the Star Carnival. Est-ce que je peux sauvegarder? Non, ils ont viré le bug de sauvegarde. Je pense qu'ils ont mis des gens pour nous éviter d'aller. Mais non, Mario va tuer la princesse. Ah évidemment. Voilà, facile à attendre. Bon, et des gens, je sais pas. D'accord, bon, super en fait, mon cerf. Oh, vous, sympa la musique! Petit remix du thème. Ouh! Belle Roi le Château. Yoshi! Ya Yoshi! Yahoo! C'est Mario, merci pour l'entendre, je pense que je suis venu. Une drôle de banane qui m'a transporté. Je viendrai avec tout le village. Bienvenue au château champignon, joli, nous avons des résultats renommés, je suis très nerveux. Point 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 point. Le meilleur de la du monde. Bonjour. Mario, bienvenue au château. La princesse Peach sera bientôt ici. Traduction, elle arrive tout de suite. Et voilà la princesse Peach. Bonjour, je n'ai pas changé d'habit depuis 8 mois, mais je garde quand même ce parce qu'ils sont vraiment trop kawaii. Bonjour tout le monde, je suis aussi content que tout le monde soit réuni en ce jour de grâce. La baguette étoile est enfin retournée à la vraie étoile. Et notre beau royaume à nouveau en paix. Les étoiles brillent au-dessus de nos têtes plus ardemment que jamais, preuve de leur gratitude éternelle. Mario. Luigi. Canon. Combario. Cooper. Bombinette. Paracari. Bou. What. Sushi. Leicester. Mabit. Et tous les habitants de Rome Champignon. De toute ma gratitude. Je vous remercie du fond du cœur. Et je souhaite que le royaume champignon connaisse un éternel prospérité. Jusqu'au prochain jeu. Non, quoique, dans le prochain, ça se passe pas au royaume champignon. Ça commence au royaume champignon, mais ça se passe pas au royaume champignon. Le troisième encore moins, et le quatrième, c'est un peu compliqué. Parce que c'est pas du tout le même. Alors, amusez-vous bien. Et que la fête commence. Oh mon dieu. Oh, c'était quoi ce sprite? C'est tellement moche. Ça pue les crédits. Voilà. C'est toujours Luigi qui commence la parade. Vraiment logique. Paper Mario Staff Credits. Bon, et ben on est arrivé au bout. Ça fut long. On sera. Ouh, j'aime bien les nouveaux sprites qu'il a fait. Oh, ils sont cool comme ça. Elle est trop soupie, mon binette. Elle est trop choupie. Bon, elle est toujours aussi, hein, là. Cooper. J'aime bien quand même Goombario, ouais. Les petits sprites qui les ont fait pour ça.
Bon, ben je vous remercie d'avoir regardé ce let's play, j'espère, en entier. Peut-être la fin, je ne sais pas, ça dépendra. J'espère qu'au moins qu'il vous aura plu. Que je vous aurai pas trop fait chier pendant quand même 37 épisodes. Des longs épisodes, tout ça. Donc... Oh, il vient dans la truc, il se ramène. Oh, d'accord. Ouais. Bon. Il s'explose de partout. là-bas. Regardez! T'as la mer qui bouge! Qui bouge sur le décor! C'est n'importe quoi! Oh mon dieu! Oh, c'est Nawak! Les vendeurs et les gars du désert, c'est sec. Ils sont pas avec tout ton machin, je sais plus comment il s'appelait. Donc, je disais. Donc, voilà, donc vous avoir suivi ces 37 épisodes. Ce fut très bien sympa de votre part, tout à fait. C'est très la France. Ah putain, lui. Donc. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Eh bien, pour l'instant, rien. Bon, je m'excuse, évidemment, il y en a qui s'attendraient peut-être à ce que je fasse un petit truc un peu plus intéressant. Mais je ne fais rien, presque rien, parce que j'ai Fire Emblem. Je continue Fire Emblem, il y a aucune raison que j'arrête. Je vais même maintenant me focaliser totalement sur sa chaîne à Fire Emblem. Et Fire, après, ça me permettra déjà de revenir un petit peu sur Bullet Channel, parce que j'ai un petit peu délaissé, sinon pour mes Minecraft, je vais essayer de reprendre Rayman 3. Donc pour ceux qui seraient intéressés par du Rayman 3, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Bullet Channel. Des Yussi ! Des Yussi ! Donc il y a le lien en allant sur ma chaîne, normalement c'est en haut à droite, j'ai mis le lien vers cette chaîne, la chaîne de Bullet Channel. N'hésitez pas aussi à regarder un peu ce qu'on a fait au niveau Minecraft. Yoshi! Yoshi écrit en gros, je veux ce volcan Yoshi chez moi. J'en veux plein. Je suis complètement taré. Koji Kondo, oh, évidemment. Mais, pardon. Disons qu'il a composé ça, mais bon, ça remplacera jamais... comment ça s'appelle? Yoko Shimomura qui a fait les Mario Luigi. Ah bon. Ça, même les boss ils traînent et puis là, les 5 petits Yoshi, ils sont trop mignons. Et masque à goinfre. Oh putain. Et le mec. Ouh. Oh. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y aura de prévu dans tous les boss? Qu'est-ce qu'il y aura de prévu à part du Fire Emblem? Parce que, disons que c'est pas parce que je veux arrêter tout ça. Alors, certains vont sûrement te poser la question. C'est vrai que j'ai souvent suivi un ordre logique dans mes vidéos. Enfin, même s'il y a certaines des let's play secondaires. Mais mes let's play principals, avec l'accent anglais. Magnifique. Sont toujours été du Mario RPG. Est-ce que je vais faire Paper Mario 2? Pour l'instant, non. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que il y a un youtubeur que je suis pas mal, que vous connaissez sûrement, 2-3 lunatiques, qui est en train de faire un let's play, une poupe dessus, et je le suis avec lui, et j'ai un peu peur de faire doublon, de toute façon je ferai jamais meilleur que ce qu'il fait, donc je vais attendre qu'il l'ait fini, et peut-être qu'à l'avenir, sachant qu'à l'avenir j'aurai peut-être un peu plus de matériel, j'essaierai de le faire en let's play. Mais pour l'instant, c'est pas du tout une priorité. Concernant les suites après, donc Super Paper Mario, alors j'aurais bien aimé le faire en émulateur, mais le problème c'est que j'aurais besoin de la Wiimote, et la Wiimote avec le pointeur. Et ça sur émulateur, je suis pas sûr, à moins de m'équiper vraiment en matériel. Déjà, j'aurais même pas connecté ma manette Wii U Pro, alors une Wiimote, je n'en parle même pas. Mais peut-être qu'à l'avenir, du matériel, je pourrais faire ça sur directement la Wii en elle-même. Alors après, ça sera peut-être un peu une découverte, ça sera peut-être, je pense, mon premier let's play à l'aide de matériel comme ça, directement sur la Wii.
Donc ce sera vraiment du full vanilla, il y a pas de il y aura pas de safe state, il y aura pas de ça sera vraiment en vanilla. Vanilla pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est-à-dire sans modification, sans cheat. Soleil. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc je continue Fire Emblem, je vais essayer de le terminer. Je vais essayer de le continuer. Je pense pas que j'aurai le terminé avant la fin des vacances, mais je vais bien l'avancer pendant les vacances. Sachant que j'aurai quelques jours où je serai vraiment pas là, même une bonne partie de juillet où je serai pas chez moi, je serai à l'étranger. Et je ne sais pas, je pense pas pouvoir tourner là-bas, parce que je serai en hôtel avec mes parents, ça va pas du tout le faire. Mais sinon, non mais parce que je n'ai pas que Bullet Channel et ma chaîne en projet, il y a aussi la chaîne de One Nintendo. Et là sur la chaîne de One Nintendo, j'ai un projet que je travaille depuis un moment. Avec le bac, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le travailler. Donc là, je vais essayer. Shigeru Miyamoto, le grand robot. Je vais essayer de l'avancer un peu. Je vais essayer de sortir. Ce sera une vidéo un peu totalement différente de ce que ça va être. Je vais pas trop vous spoiler. Je veux dire que c'est un concept. Bon, c'est pas non plus le concept du siècle, mais c'est un concept que moi je n'ai jamais fait. Ah, c'était encore Yoshi Yamoshi à l'époque, mais c'est vrai. C'est un concept que je n'ai jamais fait et ça sera une première pour moi. Et alors, je vais faire un pilote. Et peut-être que si ça plaît, j'en ferai d'autres suites. Mais après, ça sera un peu plus compliqué parce que là, je passe le bac et après les vacances, j'attaque une prépa. J'espère attaquer une prépa. Et donc, ça va être super chaud de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, c'est la merde. Oh, le chemin. Oh, le chemin qui sort nulle part. Alright, machin. Oui, ce machin, scénario, bordel. Donc ça arrive. Alors normalement j'essaierai de travailler un petit peu avec mon pote Kaizaro pour ceux qui s'en souviennent. Ah oui, une scène de cul. Non c'est avec Kaizaro qui a, pour ceux qui s'en souviennent, de tous les débuts de ma chaîne quand on faisait du Portal 2 où il est sur Bullet Channel aussi. Il m'aidera un peu pour cette vidéo. Je vous en parle pas trop, mais j'espère. Enfin le but c'est quand même d'essayer de vous marrer un petit coup et puis vous faire découvrir un jeu que vous connaissez peut-être pas forcément. Et puis alors pour la rentrée, alors normalement fin août, je vous ferai une vidéo pour expliquer clairement quels sont mes projets pour la rentrée 2014 tout ce qui s'ensuit parce que avec la prépa, je vais devoir vraiment changer drastiquement mes séquences de filmage, tout le bordel. J'aurai vraiment plus le temps. Mais je vous en parlerai mieux quand on y sera. Donc retenez, pour l'instant, pas de d'autres let's play sur cette chaîne. Je continue Fire Emblem. Allez regarder Fire Emblem, c'est un peu toujours intéressant. Si vous connaissez pas ce type de jeu, ça peut toujours être une bonne découverte. Moi, ça a été une bonne surprise quand j'ai découvert ce type de jeu. Regardez un peu du côté Bullet Channel, où il y aura peut-être du Rayman 3 qui va enfin revenir. Parce que je m'étais arrêté à la partie 2, et à cause de mes problèmes d'ordi. Il y aura de l'ultra hardcore aussi, il y a la saison 5 de l'ultra hardcore qui est prévue début août, on n'a pas encore exactement fixé la date, voilà. Et puis mon projet, le projet sur la chaîne de One Nintendo qui arrivera, et le remaniement de mes vidéos dès la rentrée, je vous expliquerai fin août. Je déteste ce type de jeu. En fait c'est simple, c'est qu'en fait je ne peux appuyer sur aucun bouton. Ça c'est souvent ça dans les jeux 64. C'est-à-dire qu'en fait ils ne te permettent pas de finir le jeu. C'est-à-dire qu'ils te forcent le reset pour que tu n'aies pas à sauvegarder. Parce que sinon après ça serait trop le bordel pour expliquer pour une sauvegarde. À l'époque c'était pas si facile que ça de gérer une sauvegarde de fin de partie. Parce que ça pouvait bloquer la truc, il y en a qui savaient pas. Il y en a qui ont fait des petites. Il y en a qui ont fait des fins, des vraies fins qui ont fait que voilà le scénario est fini. Et tu en arrives au stade où tu peux avoir un petit contenu à la fin, mais le scénario est clairement fini. Il y en a qui s'arrêtent comme ça là, et qui nous font revenir de toute façon au dernier boss. Et il y en a qui en fait nous font sauvegarder après le dernier boss, qui peuvent parfois nous débloquer certains contenus, mais qui de toute façon nous feront venir avant,
avant le dernier boss pour qu'on puisse le faire à volonté. Donc là c'est du reset. Donc là je vais resetter la console. On va peut-être finir sur le title screen, parce qu'on l'a pas vu souvent, n'empêche. Donc là, il faudra que je remette la bonne taille pour la vidéo. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous montrer, parce que ça l'intro on l'a déjà vu. Mais il y a la petite séquence après derrière que j'avais souvent fait sauter. Allez, pour ça sera très bien en guise de conclusion. Donc merci encore une fois d'avoir regardé ce let's play en partie ou en intégralité. Enfin ce playthrough, parce que c'est un playthrough. Il y a certains qui m'ont demandé pourquoi playthrough et pas let's play. Enfin playthrough, moi je pars du principe que c'est un jeu que je vais faire du début jusqu'à la fin, comme j'ai fait, mais que je ne connais pas. Alors que let's play, j'évoque tout de suite que je connais déjà un peu le jeu, et je, bon après évidemment je respecte un peu les mêmes conditions que le playthrough, c'est-à-dire que je suis jusqu'au bout, mais voilà. Et après il y a le walkthrough, mais bon le walkthrough j'en fais pas souvent parce qu'il y a très peu de jeux que je connais vraiment vraiment par cœur, si ce n'est Zelda Oracle of Ages à l'époque où je l'avais fait. Voilà, donc je parle un peu pour rien, ça va faire bientôt une heure que cette vidéo dure, mais j'en ai rien à foutre, c'est mon final. Donc voilà, vous allez pas avoir beau... Enfin, donc là, pour l'instant, le bac est en train de se terminer tout doucement, il me reste 2 épreuves. Donc après ça, je vais bazarder la chaîne de tout et de n'importe quoi. Il y aura peut-être une petite vidéo, une vidéo redirigée vers une vidéo de Bullet Channel. Ça va être totalement début, je suis pas sûr d'en sortir. Fire Emblem, je continue, je fais probablement toujours 2 épisodes par ça dépend, je verrai. Je verrai un peu comment je ferai, on verra bien sur le tas. Et puis Rayman 3 sur Bullet Channel, n'hésitez pas à regarder. C'est cool, c'est marrant, et ça mange des enfants. Non, c'est pas du tout ça, je n'ai jamais dit ça, oubliez ça. Je commence à raconter n'importe quoi, mais il est minuit 27, ça fait 57 minutes 30 que je tourne. Ce boss m'a un peu gonflé, certes, mais... je vais péter un câble, c'est magnifique. Je me permets de péter un câble. Alors, je vous remercie, bande d'urètres malfamés que vous êtes, d'avoir suivi mes merdes, d'avoir avalé tous les caca que j'ai sortis de ma bouche. Faites comme si j'avais rien dit, par pitié, parce que, oh mon dieu, j'ai jamais dit ça de ma vie. Ah, bordel de merde. On voit ces images, quand même. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine pour du Fire Emblem et pour des pommes de terre. Qu'est-ce que je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je vais faire sur cette prochaine. Ça va être magnifique. Allez. Ciao, ciao.